bien loin en arrière. Arrache d'avoir grandi trop vite, comme des adultes volent ton enfance. Toi, imagine un mur et un poli barrage. Car impossible, et cette paix t'a voulu la rage. De voir autant de CRS armés dans nos rues. La rage de voir ce putain de monde s'autodétruire. Et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur. Ses barricades et béton, aurait-il peur de la nature. La rage, car il a oublié qu'il entre ses parties. Des harmonies profondes, mais dans quel monde a Colombé parti. La rage, d'être autant balafré par les pécans des normes. Et puis la rage, ouais la rage, d'avoir la rage depuis qu'on est mort. On laissera de tout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur de la foi. On restera de tout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage, lorsqu'on choisit rien et qu'on subit tout le temps. Et vu que la choix sont bancales, et ben tout équilibre tout le camp. La rage, car l'irréparable s'en tasse depuis un bout de temps. Car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bout. C'est la rage, car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissons de vos rêves pour placer leur rempart. La rage, car ce monde ne nous correspond pas. Où ma paix s'engraisse pendant qu'on crève en bas. Donc il est en train de se décider au niveau européen des plans d'austérité généralisés qui vont contre l'intérêt des travailleurs et de tous les citoyens européens, parce que c'est notamment la pression à la baisse sur les salaires, notamment surtout les moyens salaires et les bas salaires qui vont payer. C'est la suppression de l'indexation des salaires, c'est la décentralisation des négociations collectives, c'est aussi des attaques rangées contre les services publics sur le modèle de ce qu'on voit pour l'instant en Grèce, c'est aussi des attaques à la sécurité sociale, l'allongement de la carrière, l'encouragement à un mécanisme de pension qui soit plutôt par capitalisation que par répartition, la diminution des allocations de chômage dans le temps et dans les montants, tout ça pour avoir une armée de réserve de travailleurs à exploiter pour justifier par de la recherche d'une meilleure compétitivité ou d'une stabilité de l'euro. Donc le résultat, c'est qu'en fait la crise qui a été créée par les banques et par la finance, au lieu d'être payée par eux, eh bien c'est eux qui nous tapent dessus et qui font en sorte que le capital puisse engranger encore plus de profits et les travailleurs soient encore plus exploités. Et donc nous, on veut mobiliser les travailleurs le plus largement possible, à partir de Bruxelles, mais au-delà aussi. Et s'il peut y avoir des échos, et il y a déjà des mobilisations qui n'ont d'ailleurs pas à voir avec nous, mais qui sont organisées de fait en Grèce et en Espagne. Et donc on s'inscrit en solidarité avec le combat des Grecs et des Espagnols, mais avec la conscience que tous les travailleurs européens sont menacés, et dans une situation où en plus on dénie complètement la démocratie, puisque ces questions n'ont pas été débattues au niveau du Parlement belge, et les citoyens ne sont pas du tout informés de ce qui leur pend au nez. Et donc nous voulons informer les citoyens, mobiliser les citoyens pour qu'ils s'organisent et résister à ce vol généralisé, la mise en place de plans d'austérité au niveau de l'Europe est inscrit dans les textes de loi, ce qui fait qu'après on pourra voter comme on veut, ça ne changera rien, parce que les contrôles des gouvernements de leur budget et de leur dette feront qu'ils n'auront plus aucune marge de manœuvre pour avoir des politiques sociales, des politiques pour l'enseignement, pour la santé, pour les pouvoirs publics. Et donc on veut se battre contre ça. Jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté.